Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 6, parce que ce jeu est magnifique. Et pour fêter ça, les amis, bonne année. Bon, ça aurait été plus joli de nuit, hein. Ça aurait été plus joli de nuit, attendez, on se la refait ici. Voilà, ça c'est beau. C'est du spectacle, c'est ça qu'on veut voir, les amis. Eh, pour ce nouvel épisode, je me suis fait une nouvelle classe, clairement. Je me suis fait des nouvelles armes, des nouveaux petits kiffs, des nouveaux petits plaisirs, finalement. Pareil, le petit pistolet, enfin bref, que du bonheur. Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode extra. On va appeler ça des épisodes extra, puisque, eh bien, vous pouvez le voir par vous-même. Mais regardez, la progression d'histoire 100%. Bien sûr, on a fini le let's play, je le rappelle, il y a quand même un petit peu plus d'un an, un an et demi. Par contre, comme vous pouvez le voir, progression des régions, on n'en est qu'à la moitié. En réalité, l'histoire continue toujours et je me suis rendu compte que, vous voyez les zones d'ombre, c'est les zones qui n'ont pas été encore visitées. Et c'est vrai que malgré qu'on ait fouillé de fond en comble le jeu, et ben en fait, on n'a pas non plus tout exploré à 100%. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai beaucoup joué là ces derniers temps et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses magnifiques qu'on n'a jamais vues durant le let's play. Alors bien sûr, tout ce qui est base DFND, vous voyez, toutes les bases ennemies qui ont été reprises, on les avait déjà pris à l'époque, c'est juste que ça a été repris, ce qu'on appelle l'insurrection. D'ailleurs, à ce propos, il me reste un jour pour terminer des missions. Donc j'ai capturé des bases, j'ai fait sauter des canons anti-aériens et j'ai capturé des postes de contrôle. Là, j'ai une opération spéciale à faire qui s'appelle Mésozoïque. On va découvrir ça ensemble, les amis, puisqu'en fait, on a Perseus Pérez, on ne sait pas c'est qui, mais c'est du coup le chef des insurgés. Donc un des principaux problèmes qui fait que la région de Yara est de nouveau, est toujours finalement pris d'assaut par les vilains méchants militaires. Voilà, je pense que vous m'avez suivi jusqu'ici. Et donc on a beau avoir finalement battu le dictateur, voilà, pour ceux qui ont suivi l'aventure bien sûr, on a quand même fini le jeu, on a battu le dictateur. Mais c'est pas parce que tu bats le dictateur que la démocratie, que la liberté, que tout ça continue, enfin se remet en place. Voilà, c'est complètement faux, la preuve. Du coup, eh bien, il va falloir qu'on continue de se battre. Finalement, ça rappelle beaucoup de choses dans le monde historique comme dans le monde présent. Bref, allez, c'est parti. Bonjour Lola. Et donc en fait, on va faire cette opération là Tais-toi, je parle. Il va falloir voler le PG-240X à l'accueil des visiteurs du parc Mésozoïque. Alors je ne sais plus ce que c'est finalement que le PG-240. En tout cas, c'est, je pense, quelque chose genre du gaz ou quelque chose comme ça. Des guerriers ont abattu un hélicoptère de l'armée qui transportait du coup ce fameux truc au-dessus du parc Mésozoïque. Souvenez-vous, c'est le parc animalier, le zoo. Donc on va pouvoir y retourner, y entrer et le récupérer. On peut jouer à plusieurs. Moi, je n'ai pas d'amis, donc on va faire ça en mode solo, les amis. Tout simplement, c'est parti. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que vous kiffez ces épisodes du Let's Play extra, finalement. Alors, tu vends des trucs depuis ton taxi? Malin. Ouais, et je récolte aussi un paquet de ragots. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce truc en vente au marché. L'armée de Castillo a créé une putain d'arme chimique, nommée le PG-240X. Ils vont s'en servir pour défoncer ta révolution et toucher un max de fric en la vendant au plus offrant. Je dois intervenir. Faut empêcher ça. Si tu veux stopper ça, tu dois voler l'arme. Mais elle est carrément instable, et l'armée la conserve bien soigneusement dans des glacières. Essaie de repérer les officiers. C'est eux qui ont les clés. Comme d'habitude. Oh, et j'allais oublier. Si l'échantillon chauffe trop, ils ramasseront tes morceaux à la petite cuillère. Du coup, quand il sera plus dans la glacière, faudra que tu l'empêches de surchauffer. Reste à l'ombre et utilise de l'eau. Heureusement que tu t'es souvenu de ce détail. Ah, dès que tu l'auras, je te sortirai de là à fond la caisse. Mais va pas croire que ces fumiers vont te laisser filer avec leur arme secrète sans rien faire. Je m'en doute. C'est parti, Lola. Ah oui, alors là, c'est une galère sans nom, là. Bienvenue au parc Mésozoïque. Cognon. J'arrive pas à croire que cet endroit existe encore. Grave. Si ça grouillait pas de soldats, je démontrais tout pour revendre des pièces. Drôle d'endroit pour une arme chimique. Ouais, c'est vrai. Il y a à peine une heure, les guerrieros ont abattu un hélico transportant le PG-240X. Ça a pas plu à l'armée. Alors ils sont venus, ils les ont tués, et ils ont pris la cargaison dans l'épave. Bon, il faut que je le retrouve. Le parc a l'air grand et c'est écrasé où, l'hélico? Près de l'accueil des visiteurs. Ils ont sécurisé l'arme en attendant son transport. Et ben maintenant, c'est nous les transporteurs. Les amis, vous avez tout compris de la situation, je ne pensais pas non plus que ça allait être comme ça, c'est incroyable. Et ça va être complexe as fuck.
Donc cette arme est incroyable. Il va falloir trouver où il est stocké. On sait à peu près que c'est à l'endroit de l'accueil des visiteurs. Donc on va devoir explorer la zone, éliminer le commandant et lui voler sa clé. Donc qui va permettre d'ouvrir la glacière là où est conservée donc l'arme. Et on va se l'emparer et la porter à Lola. Mais attention, il va falloir être prudent, ne pas être exposé au soleil, etc. Bref, ça va être une galère sans nom. On peut recharger des munitions. Très bien. C'est une opération spéciale, vous l'aurez compris, donc une sorte de mission secondaire finalement, un peu comme sur d'autres jeux. Et on peut jouer ça en coopération, donc c'est super intéressant. Et finalement, on n'est jamais allé là, c'est un endroit qui visiblement n'existe pas sur la carte de Yara, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment un truc bonus à part, et ça c'est stylé. Ok, bon jusqu'ici on a le droit de se promener, donc on va pouvoir se promener comme si de rien n'était. Là on va pouvoir mouiller l'arme, donc ça ce sera quand on l'aura récupéré, bien sûr. Là on a notre carte. Nous sommes où? Nous sommes ici à l'entrée. L'accueil des visiteurs, il est là-haut. Et on a des zones d'eau à peu près partout. Donc ça devrait être tranquille à ce niveau-là. Oui, donc faut aller au fond et revenir ici. Et on a gagné et on a fini, tout simplement. D'accord. Jusqu'ici tout va bien. On a des petites pièces. Lola, tu sais où est l'accueil des visiteurs? Merde, ça fait trop longtemps, je m'en souviens plus. Regarde sur les plans du vieux parc. Je laisse tourner le compteur. Tu déconnes? Tu vas me faire payer? Sûrement pas. Mais j'enverrai la facture à Juan, sale radin. Excellent. Ok. Bon, évidemment, on n'a pas le droit de rentrer dans le zoo pour des raisons évidentes, puisqu'ils sont en train de garder leur arme. Donc les visiteurs ne sont pas les bienvenus actuellement. Mais nous, on s'en fiche, on va quand même y aller. Alors, je prends plein de munitions. Alors, j'ai toujours mon sniper magique, hein, pour ceux qui ont suivi mon aventure. Là, ça bouge pas. Hein. Ça, c'est mon sniper fétiche. J'ai une sorte de pépé bison pour ceux qui connaissent. Avec, regardez, un petit requin en porte-bonheur. Voilà, c'est mignon. D'ailleurs, je peux inspecter l'arme. Superbe. Fait pas plus d'efforts. Bon, là, c'est les feux d'artifice qui permettent d'exploser. Et puis là, le pistolet silencieux qu'on va évidemment garder à la main pour pouvoir pénétrer. Alors, j'ai regardé le plan du truc. Pas besoin de... Bah, de toute façon, si je fais ça, à tous les coups, je peux retrouver. Est-ce qu'on peut voir où on est, là? On est là. On est là, quelque part ici. Très bien. Ouais, bah tout simplement, on va devoir aller au fond du parc, finalement. Comme si ça allait être une simple affaire. Vous êtes en train de quitter la zone de l'opération spéciale. Alors, c'est fort embêtant. C'est fort embêtant si on quitte l'opération. Ah oui, c'est ici. Quel débile. Quel débile, quel débile. Remarque, on était pas mal en hauteur, là. Attendez. Oui, attends, t'énerve pas, bichette. Ça va juste nous permettre de voir de manière sécurisée ce qu'il en est. Alors... Il y a des petits animaux mais ils sont tout gentils. Ok. Tac tac tac, regardons. On a des gens, oui, ok. On a des gardes qui font des selfies. Jusqu'ici tout va bien, ils ont bien raison de profiter. Ok, on en a bien plus proche. De l'eau qui coule ici, ça va être parfait. Nous notre objectif j'imagine ça va être à la fumée là-bas. Et encore je suis pas tout à fait persuadé. Je suis pas tout à fait persuadé. Bon bah on va se faire plaisir. Ça va être très compliqué hein. Vraiment c'est pas une mission ça n'a rien à voir avec... Oh non, ça n'a rien à voir avec l'aventure en elle-même du let's play. Par contre là on va être dans le caca s'il y a des loups comme ça là. Bon, ils n'ont pas sur moi mais alors ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon allez on y va. A noter que ce pistolet, vous avez vu, j'ai 40 balles, 40 balls. Et bien tout simplement parce que c'est un semi-automatique. A savoir que je peux tirer coup par coup bien sûr. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Par contre, je peux tirer en mitraillette finalement. Voilà. Ok, bon. Écoutez, on va descendre calmement mais sûrement, tranquillement, discrètement. Enfin bref, on rentre dans ce magnifique zoo. Vérifions que c'est un animal gentil, ça quand même. C'est quoi? J'arrive pas à voir c'est quoi comme animal, mais bon. J'ose imaginer que c'est pas vilain. Ah non, c'est un petit lapin. C'est un petit lapin tout gentil, tout mignon. Bon, allez, jusqu'ici, tout va bien. Alors, est-ce que j'élimine ces mecs-là? Ah, Café Aventuro. Ok, ça va pas m'aider, ça. Ça va pas m'aider. Alors, le problème, c'est qu'il y a des mecs juste à côté. Oh là 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 là. Et alors? J'ai jamais pu visiter ce parc quand c'était ouvert. Mes parents étaient pauvres. Ok, on va voir les spinosaures. On traverse la crique, on regarde quelques dinos, et ensuite on va au T-Rex. Super. Je vais en... Allez, fermez-la.
J'ai failli déjà tout foutre en l'air. Oh, j'ai les mains moites. J'ai les mains moites. Heureusement, j'ai des couteaux de lancer sur moi. Je vous ai pas montré. J'ai une tourelle automatique également. Fumigène et dynamite. Ah là, les gars, je vous le dis. Je me suis fait plaisir. Donc, on est là. Ah ouais, l'ascension va être longue. Alors, on n'est pas obligé de passer par le middle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors, je peux grimper. Ce qui va nous permettre de bien se faire cramer. Ça, c'est pas mal. Bon, il y a juste un mec là. Et un mec là. Et là, il y a de l'eau. Donc ça va nous permettre quand on repartira. Bah là, on n'est pas obligé de les affronter, je pense. Bon, vous me connaissez. Eh, mais c'est méchant, ça. Ça, c'est des trucs qui nous attaquent, ça. Je m'en souviens, ça. Ça nous avait pas attaqué durant le let's play. Ah, je m'en souviens plus. Bon, je serais bien tenté d'aller les liquider. Parce que j'ose me dire que déjà, voilà, ça nous permet d'explorer et regarder. Superbe. Rien d'intéressant. Mais surtout, ça va nous permettre peut-être de sécuriser un peu plus la zone. Ok, il y a un monsieur roquette là-bas. Ça, c'est moins fun. Ok, ils font des photos. Par contre, lui, il arrive. Ok, lui, il va me voir en plus. Excellent. Chut, fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Voilà, superbe. Superbe, change pas, t'es le meilleur. Alors quand je tire dans la tête, je rappelle que je récupère ma balle. Vous avez vu, j'ai pas besoin de recharger. C'était un atout qu'on s'était débloqué durant le let's play. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas mon aventure. Parce que vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître l'aventure pour pouvoir regarder cette vidéo. C'est toujours sympa évidemment d'avoir vu le let's play. Mais par contre, c'est quoi sur le marqueur là qu'on voit? Ok, c'est des munitions. Qu'avons-nous là? Je le fais ou pas? Les sarcophagus sont les lointains ancêtres du crocodile. Ok. Je pense que ça peut permettre de faire diversion en cas de problème. Et ça, c'est pas mal. Alors, il y a un roquette là. Par contre, s'ils découvrent le cadavre, je suis mort. Et ils vont pas tarder à le découvrir. Oh purée. Chaud devant. Oh purée. C'est qu'ils sont énervés. Bon, au moins... Attends, mais il y a d'autres gars qui se sont ramenés, là. Oh, merde. Eh, mais les gars... Non, non. Ça respawn. Ça respawn à l'infini. Ça sert à rien que je les batte. Ok. Je pense que ça sert à rien que je me confronte à eux. En plus, ils sont déjà en état d'alerte. Bon, visiblement à cause des animaux, hein. Mais bon, ça peut créer des problèmes. Ok. Alors on va faire gaffe aux animaux qui peuvent quand même me porter préjudice. Ça, si tu veux mon avis, ça va m'attaquer. Cette carte, est-ce qu'elle peut m'aider? Faut toujours que j'aille là et je suis là. Ouais, bah on n'est pas prêt d'y arriver, mon pote. Oui, alors tu vas te détendre. Derrière moi. Derrière moi, j'ai des gens. Va pas falloir que je traîne. Pourquoi il y a de la fumée là-bas? Ok, il y a un colis. Est-ce que j'y vais ou pas? Il y a un largage qui a spawn. Ok, il y a des jaguars. Des petits loups. Ça, c'est la merde. Oh non. Oh non. Oh non. Arrêtez! Attends, mon silencieux, il faut pas qu'il me pète. Il faut pas que je pète le silencieux, sinon je suis mort. Oh putain, je suis dans la merde. Lâche-moi! Arrête! Oh non. Je vais me faire cramer comme ça, là? Oh non. C'est bon, il m'a lâché la grappe. Bon, je vais prendre de la hauteur si c'était possible. Ok, parce que là, il y a du people juste là. Ils sont souvent en patrouille à deux. Là-bas. Ok, heureusement. Heureusement, les animaux me permettent de faire diversion. Tout comme ils peuvent me trahir, finalement. Allez, on va prendre de la hauteur, les amis. Tant pis pour le colis, là. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup.
Là, ce qui est bien, c'est que je pense qu'ici, je devrais être tranquille. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gardes qui soient là-haut. Ok. Bon, à tout moment, je me fais attaquer par un... C'est vraiment magnifique, hein. J'en prends plein les yeux, hein. Et j'espère que vous aussi, vous en prenez plein les yeux, hein. Parce que vraiment, waouh. Ok, donc on vient de là-haut, on a quand même bien avancé. Mine de rien, on avance quand même. Et je pense qu'il faut continuer vers la fumée. Toute façon, bah je suis bête. Eh, la fumée, c'est le crash de l'hélicoptère, c'était il y a une heure. C'était il y a une heure. Donc c'est bel et bien là où il y a la fumée qu'il faut aller. Ça, c'est clair. C'est vraiment super, super chouette. Et c'est un plaisir de pouvoir vous proposer des vidéos, de pouvoir rejouer même de base, tout simplement. C'est vraiment cool. J'ai envie de sauter en parachute, mais je sais que je vais me faire niquer la gueule. Mais ce serait l'idéal parce qu'il y a des hélicoptères et juste là, on est déjà arrivé à l'objectif, hein. En fait, c'est tentant quand même d'y aller en wingsuit, mais je pense qu'il faut pas s'attirer des ennuis pour pas grand chose. Donc on va rester sage. Ah, monsieur veut me provoquer. D'accord. Aïe. Y a pas de soucis. Ah, arrête, arrête, arrête. Voilà. Vilain. Ne pas rester immobile. Ah oui, non mais là ils font les malins là. Là ils font les malins là. Arrêtez. C'est bon, ça suffit. Allez, je me barre. Je me barre. Ah, ils s'en battent les couilles. Ah oui, non mais ils s'en battent les steaks. Mais ils sont trois, frère. Arrêtez, vous êtes des gamins. Voilà, un coup de couteau, ça dégage. Allez, allez, allez. Venez voir, faites les malins là. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi maintenant? Allez, un dernier pour la route, hein. Allez, viens là. Viens là, mon ref. Voilà. Bon. Suffit les conneries là, non? Allez. On continue. Tout va très bien. Oh merde. Ok, ils sont deux en plus. Deux lance-roquettes. Non, non, attends, on va les laisser tranquilles, hein. Nous on a un objectif très précis. Et c'est bah, c'est là où ils sont. Non, non, ça va aller. Ça va aller. Alors là. Alors là, ça va être compliqué parce que manifestement, je dois récupérer une information ici. Et manifestement, il y a du people. Il y a du people. Alors quelle est l'info que je dois récupérer? Ou alors c'est même pas une info, c'est un... Non, c'est ça. Non, mais il n'y a pas d'info là, frère. Oh non, je peux pas y aller. Ça y est, je suis tétanisé. Il y a un mec juste dans le tipi là, hein. Je peux pas le scanner, mais... Ah si, il y a une info, il y a une lettre ou je sais pas quoi, il y a une clé. Ah oui, il faut que je tue... il faut que je tue le chef, donc dans tous les cas, il faut que je me confronte aux... aux gens. Vas-y, descends discrètement. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est à l'intérieur qu'il faut aller. Alors là. Alors là, mon pote. Ok. L'officier. Eh ben salut. Et en plus ça vient par derrière encore. Ça vient par derrière. Bon. Ok, je peux rentrer. Lire. J'interrogeais ce guerriero tout à l'heure. Il me suppliait de passer un marché avec lui. Il n'arrêtait pas de chialer. Ok. Les clés que tu as trouvées et planquées à l'accueil pourraient bien nous servir. Ok. Donc les clés. Ça veut dire. Ça nous aide pas beaucoup ça en fait. Sur le coup on s'est pas trop posé de questions. Bon, en gros, c'est juste que les clés sont importantes. Ok, les frérots, ils arrivent. Attendez, je... Il faut pouvoir anticiper chaque chose. Et là, je suis en incapacité totale d'être logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de scanner tout le monde. Pour être sûr de louper personne. On a de Lola. Ok. Et je parle pas de Madame Lola qui nous a donné la mission d'ailleurs. Il me manque une personne. Là, j'ai. C'est bon, j'ai tout le monde.
Bon. Il regarde où là? Ok, il regarde du bon côté. Combien de temps, je ne sais pas. Oh, c'est pas possible. Et bah voilà. Ok, c'est bon. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est mal joué. C'est ok. C'est grave ok. Ça c'est ok. On va s'occuper des deux filous ici. Ok. Ensuite, je suis concentré là les gars. Je suis très concentré. J'ai rien à récupérer sur eux là. Des munes, de l'eau, la carte. On est où là? Je sais pas où je suis. Je ne sais pas lire une carte, voilà. Alors, on va voir un nouveau problème. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas tué un officier là? En fait, ça a servi à rien ce que j'ai fait? C'est ça que t'es en train de me dire? Ah ouais, d'accord. Attendez, il y a un truc à récupérer encore ici. Voilà, des munitions. Bon bah voilà. Ça va pas nous aider. Alors attendez, on va juste s'occuper des lance-roquettes là-bas, histoire de dire qu'on a exterminé tout le monde. Mais c'est vraiment bizarre. Oui oui, détends-toi. Voilà, ça va bien se passer. Si j'ouvre la carte, est-ce que je vois où je suis? Pas du tout, je sais pas où je suis. Je sais que j'ai spawn là. Je suis censé être là, j'imagine, ou là peut-être. Ah mais oui. Est-ce qu'il crache de l'eau le dinosaure? Non. Bon, on s'en fout de toute façon. Il faut que j'aille à la fumée là-bas. Par contre, il y a des nouveaux mecs qui vont découvrir les cadavres. Et ça, c'est mal joué. Bon, on va y aller. En fait, ça sert vraiment à rien de se confronter à eux, j'ai l'impression, jusqu'à présent. Parce que de toute façon, ils reviennent. Ils reviennent tous. Ils font des patrouilles de partout. Donc là, on va tout simplement aller à l'objectif. Tout simplement. Voilà, j'avais pas besoin de faire tout ce bordel. Ça y est, j'ai trouvé l'accueil des visiteurs. Mais je vois la glacière nulle part. Merde, ils ont dû la déplacer. Elle doit pas être loin. La lieutenante s'appelle Ria Campos. Elle a sûrement une clé. Je m'en occupe. Bonne chance. Voilà, la lieutenante, elle est là. Bon, alors madame la lieutenante, vous allez passer un mauvais moment, ainsi que tous vos hommes, finalement. Ce qui est assez amusant. Alors. Merde, les forces spéciales. Ah, la commandante est là. J'ai une alarme ici. Lola, je viens de repérer le lieutenant Campos. Elle a forcément la clé de la glacière. Je vais la lui demander gentiment. Ah. Ouais, bah bonne chance. Ah. Alors. J'ai une vue sur une alarme. Le problème étant que si je tire sur l'alarme, ça va alerter tout le monde. Mais en même temps, personne ne va activer quelconque alarme. Il va se calmer l'autre là-haut là. Attends, elle est où l'alarme? Ah bah oui, bah ils sont tous à côté de l'alarme. Ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. Bon bah je vais Fil de détente. Trouver d'autres solutions. Il n'y a pas de caméra de surveillance, j'ai l'impression. Et ça, c'est pas mal. Je peux monter l'échelle. Ok. Je vais monter l'échelle. C'est toujours intéressant. Alors, ça, c'est chiant. C'est pas grave. Est-ce que je peux désactiver l'alarme? Je l'ai trouvé. Vraiment, est-ce que je peux désactiver l'alarme? Oh, il y a une échelle là aussi. Là, je suis tranquille.
J'ai eu extrêmement chaud. J'ai eu extrêmement chaud, les amis. Je pèse mes mots. Il faut absolument que je désactive les alarmes. Et je dirais qu'il y en a deux. Oh là 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 là. J'ai eu extrêmement chaud. Je vais prendre du temps avant de m'en remettre. Alors là, l'idée c'est que je descende et que je fasse les alarmes. À moins qu'il n'y en a qu'une seule. S'il n'y en a qu'une seule, c'est stylé. Allez, on essaye. Personne n'a rien capté. Ok, madame la clé, elle est là. Ah, ils ont cramé, ça y est, ils ont cramé, c'est pas grave. Ok. Ils ont cramé mais ils savent pas que je suis là. Et ça c'est beau. C'était moi. Allez, le meilleur pour la fin. Venez voir. T'énerve pas madame. Ok, elle m'a pas vu. Enfin, elle aurait pu me voir. Oh merde. Ah bah viens, eh bien, bonne idée. Très bonne idée, viens à moi directement. Oh non. Oh non. T'auras plus besoin de cette clé. Bon bah je suis cramé. J'ai les clés, allez go. Faut aller où? Interagir. Ah je suis trop deg. Allez, il faut que je trouve où c'est que je dois rentrer la clé. Oh non, je panique. Les renforts vont arriver. Où est mon objectif? Là, putain, elle est là. Allez go. Allez, je prends. Allez, dépêche. Magnifique. Oh non. Lola, j'ai récupéré l'arme. Je te rejoins. Putain, t'assures toi? Allez go. Bon là je vais avoir tous les hélicoptères à mettre où ça. Oh, tu sais quoi? Rapporte-moi un petit souvenir de la boutique. Vaut mieux pas. Il y a du sang partout. Faut que je passe par de l'eau. Rendez-vous devant l'entrée. Faut que je prenne les zones d'ombre aussi. Alors, la jauge de température. Je vois pas où trouver la jauge de température. Voilà, ah si, je la vois. Il me faut de l'eau. Il faut de l'ombre. Là, j'ai de l'ombre. Ok, c'est bon. Là, je suis à l'ombre. Et là, va falloir que je trace vers de l'eau. Ah, la température, c'est chaud. Là, il me faut de l'eau. Allez, go. Binga, l'arme chauffe. Bah oui, frérot, mais y a pas d'eau là. Je peux pas te chier de l'eau, moi. Oh non. Oh non, l'angoisse. En plus, j'y suis presque. Oh non. Allez, fais un effort, monte. Allez, ça va péter. Ça va péter. Là il y a de l'eau en plus. Oh non. Quel enfer. De l'eau. Il y a de l'eau là, vite. Je ferais mieux de refroidir ça dans l'eau. Attendez. Attends. De l'eau. Attends. Oh non. Attends, il me faut de l'eau. Oh la chatte. Non, c'est pas la fin. C'est pas fini du tout. C'est pas fini mon ref. Vous ne m'aurez pas envie en tout cas. Vous ne m'aurez pas envie. Je les ai essayé. Oh non. De l'eau. T'énerve pas. Elle est où l'eau?
Mais je suis dans l'eau. Là. C'est bon. C'est bon. Allez, on continue. On continue. Il faut partir d'ici. Eh, c'est pas facile, hein. C'est stressant, hein. En plus, le bordel, il est lourd. Faut pouvoir combattre. Faut pouvoir humidifier le bordel. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau ici? Oui, s'il y a un dinosaure, il y a de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, il y a des ennemis. Allez, 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 allez. On a encore du temps. Le truc en plus, il est pas discret, c'est. Je devrais refroidir cet engin dans l'eau. Sans blague. Oh non. Où je peux refroidir ce truc? Allez, mouille. Ça mouille, c'est bon. Eh, je vous sauve votre machin, là, arrêtez de me tirer dessus. Tu vas rien faire du tout. Retournez à l'entrée du parc, j'y suis presque. Mais faut que je retourne mouiller le. Faut que je retourne mouiller le bordel. Voilà. Comme ça on est tranquille. Et je reste un peu ici. Bah il est où? Ok, il est là-bas. Bon là je suis à l'ombre en plus, je suis pas mal. Je suis pas mal. L'entrée elle est vers là-bas. Hein. L'entrée elle est vers là-bas. Allez, on y retourne. Ouais, abuse pas frère, ça chauffe pas aussi vite que ça quand même. Putain, c'est vrai que l'entrée elle est loin. C'est vrai que l'entrée elle est loin, bordel. Je la voyais plus proche. C'est parce qu'on avait coupé par la montagne. Allez. Il devrait y avoir de l'eau par là. Ok, je suis à 300 mètres de l'entrée. Là il me faut vite de l'eau là. Oh putain. Il y a même pas d'eau frère. Il y a même pas d'eau là. Allez, faut que je reste à l'ombre. Là je suis à l'ombre. Oh, il me tire dessus encore. Là il y a de l'eau là. Si j'immerge pas vite ce truc, je suis foutu. C'est bon. Je suis dans l'eau, je suis dans l'eau. C'est bon. J'ai compris les bruits maintenant. Je suis dans l'eau. Et j'y vais. Allez. Allez, go, go, go. Là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à run. Courir le plus vite possible. Et s'accrocher à la vie. Mais je pense pas que ça va être aussi simple que ça. Pour être très honnête avec vous, ça a l'air facile jusqu'ici, mais j'ai un petit peu peur. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. Ok, je sors de la zone, mais c'est pas pour autant que c'est fini. Ok, objectif terminé. Oh non. Lola, je suis devant. T'es où, bordel? J'ai dû esquiver des patrouilles. Tu vas bientôt avoir de la compagnie. Ah bah je oui. Je m'occupe d'eux. Ramène-toi et évite de planter la caisse. Dani, je suis une professionnelle. Non mais pour qui tu me prends? Ah, je me disais bien que ce serait pas aussi facile que ça. Ça m'étonnait même qu'il n'y ait pas eu d'hélicoptère. Je dois faire ce truc dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Bon, je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre. Alors ça c'est la merde. Ça c'est la merde. À l'ombre, à l'ombre. Attends, je mets une tourelle. Je mets une tourelle. La dynamite aussi. Oh non.
Mais cours! Oh putain. Ces enfoirés me collent au cul. Pareil, où t'es? Pas loin, mais faut d'abord que je sème ces connards. Ah ouais. Ah ouais mon ref. Ah ouais mon ref. On n'est pas bien du tout. Bon là je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre, il y a une nouvelle vague qui arrive. Je suis pas bien du tout. Hein. Non, on retourne à l'ombre. Bon, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'eau. Ça, c'est bonne nouvelle. Elle intéresse à se dépêcher, Lola. Heureusement, il y a ma tourelle. Tu risques d'avoir des emmerdes avec la justice. Ah bon? Dépêche-toi, Lola. Oh non. C'est bon, j'arrive. Oh non. L'hélicoptère, mais j'avais le pressentiment. Ah, l'hélicoptère, c'était 100% sûr. Hein. Mais j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, normalement. Faut juste espérer qu'il n'y en a qu'un seul. Bon, il va venir, l'autre. Il arrive. Il arrive. Allez, viens voir, je vais te faire ta fête. Merde. Ah. Danny, plus que quelques minutes avant l'extraction. Supremo ! Vitesse. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, dynamite. Danny, désolé, j'y suis presque. Ça va ? Oh, tranquille, je campe. Hein. Mais au moins les soldats égayent un peu ce trou, Ara. Dépêche-toi. Je m'en sors pas mal, moi, mais le seul problème, c'est que j'ai plus de tourelle. Et j'ai plus de grenade non plus. Il faut que je reste à l'ombre aussi. Hein. Hop. Allez, venez voir. Venez voir papa. Par ici. Encore. Hop. Next. Allez Lola, grouille. Allez Lola. Faut qu'elle se dépêche Lola. Je devrais refroidir cet engin dans l'eau. Allez, un petit peu d'eau. Alors je suis pas sûr que de mélanger de l'eau avec une arme comme ça soit une bonne chose, mais bon. Dernière parole. Ok. Ils sont où là les derniers là? Ils me font stresser là. Ah oui d'accord. Ok. Épique. Oh la vache. Alors j'y suis allé avec des pincettes les gars, parce que c'était ma première opération spéciale. Je les connaissais pas, donc je savais pas à quoi m'attendre. Tu m'as ramené quoi comme souvenir? Cette super arme chimique militaire. Ouais. Tu pourras te racheter en payant une glace. Et ça c'est fait. Opération spéciale terminée en 34 minutes donc. Le PG a explosé. Non, il a pas explosé. Donc j'ai tout fait sauf le fait de l'avoir fait en coopération. Et ça, c'est cool. C'est la première fois que je fais une opération spéciale. Peut être très intéressant de faire ça à plusieurs. Mais en tout cas, ça c'est fait et c'est super cool. Voter pour l'opération. Non, non, on va pas enchaîner les opérations. Par contre, le fait d'avoir fait ça, c'est un dernier objectif qui a été validé eh bien, dans l'aventure Yara. Dans l'aventure Insurrection. Donc on va voir ce qui va se passer maintenant. Puisque si je dis pas de bêtises, le fait d'avoir fait cette opération spéciale, ça m'a débloqué des récompenses. Alors on va voir ça. On va voir ça. Déjà on va juste sortir d'ici. On est dans le camp Maximas, pour ceux qui s'en souviennent. Les souvenirs de ce camp Maximas. Hop, on va sortir de ce mode troisième personne.
avec ce lever ou sous coucher de soleil, je ne sais pas. En tout cas, si je regarde maintenant dans Insurrection, eh bien, voilà, Perseus Pérez, ça m'a débloqué l'emplacement de Perseus Pérez. Et qui est Perseus Pérez? Je le rappelle, on voit de plus en plus de pubs pour quelqu'un qui se prétend être le roi des affaires Yaran. Il s'agit peut-être d'un trafic inoffensif, mais si ses profits permettent de financer la renaissance des FND, nous allons devoir nous occuper de ce problème nous-mêmes. Donc, c'est un chef des insurgés. Et donc, c'est quelqu'un qu'on va devoir éliminer. Maintenant, on voit à quoi il ressemble, Perseus Pérez. Et maintenant, on peut voir où c'est qu'il est. Et on va pouvoir, j'imagine, se le fumer. Et il est dans une base des FND. Souvenez-vous, les bases des FND, qu'est-ce que c'est cool à faire. Et il est dans cette base juste ici. Ok, en plus, on a un site anti-aérien à côté. Eh bien, on va faire ça, les amis. On va y aller directement, on va pas se prendre la tête. Et ce qu'on va faire... Mais attendez, je l'avais capturé, ce poste de contrôle, là, il y a pas longtemps, non? Ah non, c'est celui-là que j'ai capturé. Ok, j'ai confondu. Ce qu'on va faire... Ah, on peut pas faire un largage. Si, on va faire un largage. Oh non, attendez, je vais vous faire découvrir un véhicule incroyable. Je vais vous faire découvrir un véhicule incroyable, les amis. Ok, donc là, je me suis téléporté à la Joya. Donc, ce petit camp, souvenez-vous, on était quand même un petit peu mal accueillis la première fois où on est allé là. Mais en fait, du coup, j'ai débloqué un véhicule ici. J'ai découvert ça récemment. C'est une voiture avion. Alors, c'est vachement fun. Alors, on a 3000 mètres de route à faire. Mais le truc, c'est qu'en voiture, c'est peut-être compliqué, 3000 mètres. Encore 3 km, c'est pas grand-chose. Non, la vérité, c'est ça, regardez. On accélère. Donc, c'est une vraie voiture. Et on appuie sur... la gâchette et on vole tout simplement. Et ça, messieurs dames, c'est incroyable. Il y a que ça sur Far Cry 6, hein, de toute évidence. Une voiture qui vole, c'est plutôt pas mal, me diriez-vous. Donc voilà un petit peu. On va pouvoir se rendre dans cette base des forces nationalistes. Je sais plus c'est quoi FND, forces nationalistes, des méchants quoi. Bref, et on va capturer cette base et éliminer le chef des insurgés. Et peut-être rendre un petit peu plus libre Yara. Bien plus qu'elle ne l'est actuellement. Allez, plus que 1000 quelques mètres à parcourir. Et on va évidemment se dropper en parachute, les amis. On va se faire plaisir à ce niveau-là. On va même y aller en wingsuit à partir de 3, 2, 1 maintenant. Wouhou! Ce qui fait qu'on voit le véhicule. Et en plus, il rabat son parachute avant de tomber. Et il tombe en douceur. Il tombe en douceur. C'est assez amusant. Alors, bah, c'est parce qu'il y a l'hélice qui tourne derrière. Voilà. Et là, ça va faire boum. Dans 3, 2, 1. Et bah, il a dû amortir sa chute dans un arbre. Bref, on y arrive. J'ai peut-être sauté de manière un petit peu précoce. Mais c'est pas grave, puisque dans tous les cas, j'arrive dans une zone d'exclusion aérienne. Tout pile maintenant. Voilà. Donc, au moins, on est plutôt tranquille. Et en plus, mais what the fuck? J'atterris dans un endroit. Encore une fois, vous voyez, on n'est jamais allé là, hein, durant le let's play. Ce qui est bien dommage. Voilà, bon, quand on est con, voilà, c'est pas grave, hein, décidément, je suis un petit peu précoce. Mais bref, la vue devait être magnifique. Ah oui, il y a un pont et tout là, en mode Indiana Jones, jungle, Green Hell. Et on a un petit coffre d'ailleurs sur le chemin. Bonjour monsieur. Bon, si on cherche pas la merde avec eux, calme-toi. Calme-toi, il y a un coffre, je sais pas où il est. Ah, il doit être... ok, il y a une grotte et tout. Vas-y, la flemme, on va pas aller dans les grottes. Déjà que la dernière vidéo sur Far Cry, c'était dans les grottes. Bon, donc vous voyez, il y a plein d'endroits encore inexplorés. Et c'est ça ce qui est fou. Petit instant promo, je vais le dire. Je suis pas payé par Ubisoft. J'ai eu aucun avantage d'ailleurs de Ubisoft. Hein. D'ailleurs, ils m'ont fait aucun cadeau. Mais vraiment, tu m'as fait peur. Nous rendre fiers, Danny. Tu m'as fait peur. Oh, je peux te caresser. Bouge pas. J'ai entendu que Mackay était mort. Mon chien. Merci, Danny. Mais en fait, Far Cry 6, c'est vraiment un jeu qui en fait a été tellement critiqué au départ. Et ce qui est bien dommage, parce que en fait, même quand t'as fini le jeu, il y a tellement de choses encore à voir, à faire. Malgré qu'il y a des choses qui peuvent paraître répétitives, hein, forcément, capturer les bases, etc. Mais vous avez vu toutes ces zones qu'on a encore jamais explorées. Et les opérations spéciales, les missions qu'on peut faire à plusieurs. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment chouette. Alors, est-ce que petit chien, tu n'appartiendrais pas à ce monsieur là-bas? Vous êtes ultra rapide, les petits chiens là. Va falloir attendre votre propriétaire. Non. Non, c'est une blague. Cognon. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Oh non. Bichette. Alors toi, mon pote. Mérite pas de vivre. Putain. Oh, par contre, les pauvres chiens, ils viennent de perdre leur propriétaire là. What?
Ah, c'est encore un parc animalier, c'est encore un zoo de... Mais c'est un vrai cheval ça? Ah ouais. Je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et on est où là? On est... Ouais, on est jamais allé là. On n'est jamais allé là. C'est un truc de fou. Chez. C'est un truc de fou. Allez, on est arrivé. C'est normal que des soldats aient pris le contrôle d'un parc d'attractions préhistoriques? Tu dois te trouver à l'avant-poste du baillet préhistorico. Ils viennent d'y garer l'un de leurs plus gros hélicos. Si tu pouvais éviter de le faire sauter façon puzzle en même temps que le reste des lieux, ça nous arrangerait. Alors, ça me rappelle des souvenirs durant l'aventure. C'est que ça porte à préjudice les mannequins, là, les statues. Vous vous souvenez, il y avait un parc préhistorique aussi. Une caméra. Ça va être très compliqué de ne pas... comment dire ne pas... mélanger, ne pas se faire avoir. Voyez-vous. Alors là on a un petit avantage de notre côté. C'est qu'on va pouvoir détecter toutes les alarmes via ce petit ordinateur. Donc on a une alarme ici, une deuxième là, et c'est tout. Et sinon c'est des caméras. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre il y a énormément de monde apparemment hein, que je ne peux même pas spotter d'ici. Alors dans le doute j'ouvre. Ouais, ils sont en dessous de la roche. Oh, je l'avais pas vu lui. Bref, donc déjà dans un premier temps, les alarmes. J'en ai pas une troisième d'alarme cachée, non? Donc il y a deux alarmes. Deux alarmes, deux caméras. Ok. On va pouvoir se permettre de se promener un petit peu. Il doit y avoir des mecs juste là. Alors attends. Ah, j'ai pas en joue l'alarme, fait chier. Ok, déjà là on a un petit accès par là. Ce qui peut être pas mal. Ok. Je dois mettre la main sur cet énorme hélico pour Libertad. Ok, donc l'idée, c'est de pas faire péter l'hélicoptère. Par contre, je risque de me faire prendre par derrière. Je risque de me faire prendre par derrière. Est-ce que là j'ai un accès libre? Yes. J'ai un accès libre. Et l'alarme là-bas, je ne peux pas. Puisqu'elle est de l'autre côté. Mais c'est déjà pas mal. Là, personne va rien cramer. Ah merde! Ah oui. Ça, ça va être problématique. Bon. Bon, bon, bon. Dans un premier temps. L'alarme. L'alarme. La caméra. Ils ont rien vu. Encore une alarme. Bon, lui, il a vu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vais me tailler. Je vais aller de l'autre côté. Je suis un ninja, les gars. Je suis un ninja, vous le savez, vous me connaissez. Rapide comme l'air, agile comme l'eau. Et tout ça. Et là, regardez. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux me faire cramer. J'en ai rien à foutre. On n'aura aucun souci. Et on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer à s'amuser. Ah, excuse-moi, monsieur. Voilà, désolé de vous avoir fait souffrir. Voilà. Alors parce que les mannequins ils me perturbent. Ok, j'ai tué Perseus. Messieurs dames, je viens de tuer Perseus. Donc le mec contracte. Excellent. Ça c'est fait. Alors, j'aurais aimé garder un peu de hauteur. Ok, bon là tout le monde est à mes trousses hein. Mais personne ne sait où je suis et ça c'est beau. Ok. Ça dégage. Ah, je t'avais pas vu. Hop, toi non plus. Alors attendez, on va faire un peu les ninjas quand même hein. On va faire les ninjas, messieurs dames. Est-ce que vous êtes prêts à voir du beau jeu? Regardez, messieurs dames. Oh non, non, reste là. Reste là, frérot. Oh non, je voulais faire un super truc. Je voulais faire un super truc. Oh non, c'est trop nul. Bon bah tant pis. Bon bah c'est pas grave hein. J'aurais pu faire un truc super joli et j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Hop, on récupère tous ces petits trucs. Alors attends, bouge pas mon pote. Ah, c'est pas grave. Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Je voulais pas te faire souffrir non plus. Bon.
Ah, il a l'air de souffrir quand même, hein. Ah merde! Oh non! Oh non! Oh non! Oh, je vais devoir faire péter l'hélicoptère! Oh non! J'ai tout niqué! Oh bah c'est dommage, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Voilà, bon bah ils vont me détester. Ils vont me détester, les copains. Bref, allez, on va finir la mission. Bon, il reste encore deux hélicoptères, mais malheureusement ils ont pris le plus important. Un peu deg. Et où le frérot? Ah, il est là-haut. Attends, il a pas capté qu'il y avait une guerre là ou... Attendez, il est AFK? Ah ouais. Monsieur, madame, hop, ah. Madame est AFK. Bon bah ma foi. Alors je suis dégoûté, j'ai foiré la mission de l'hélicoptère. C'est dommage. Bon alors c'était bonus mais bon. Ça maintenant c'est à nous. Et les chevaux sont libres d'ailleurs, c'est beau. C'est beau. Ressources supplémentaires sécurisées. Ah, c'était pas une vraie mission l'hélicoptère, c'est parfait. Bon alors ça va, j'ai rien foiré. Ça fait plaisir. Mackay a eu ce qu'il méritait. Let's go. Insurrection matée. On a réussi en plus bien sûr d'avoir capturé la base des FND. Qu'est-ce que ce jeu est fou quand même. Je le répète, hein. Je le répète, mais ce jeu est incroyable. Grade supérieur, niveau 19. Les vendeurs d'armes proposent de nouveaux articles. Ça c'est génial. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est vendre un petit peu mes biens. Vous avez vu la viande par exemple, hop je l'échange contre des pièces. Pareil, viande de mangouste. Voilà, et puis après ça je peux échanger contre des pièces. Enfin, j'échange mes pièces contre des pièces, t'as compris? Mes pièces mécaniques contre des pièces de type argent. Donc voilà un petit peu, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant qu'on a fait ça? On débloque, eh bien, un nouveau fusil d'assaut qui est un FAMAS finalement. Encore un petit peu d'argent, bref, très bien. Qu'est-ce qui se passe du coup niveau insurrection? Insurrection terminée, bon ben voilà, ça ne change pas grand chose. Et c'est ça ce qui est intéressant, j'ai hâte un petit peu de voir finalement ce qui va se passer par la suite. Parce que comme ils mettent à jour quand même le jeu, vous le voyez là, il me reste un jour pour faire ça, donc ça c'est fait. Mais après il va se passer quoi? Il y aura des nouvelles missions, il y aura des nouvelles têtes à éliminer. Et je pense que genre dans un an ou dans quelques mois, eh ben, il va se passer quelque chose. La suite de Far Cry, tu vois. Il va, soit on va réussir à tout avoir, ou soit ils vont tout reprendre le contrôle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Et j'espère vraiment... Merci beaucoup, n'oubliez pas le pouce bleu. Vraiment, j'espère... Oui, moi aussi, donc mets un pouce bleu. Vraiment, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moneda, maintenir. Ah, gagner de la moneda en terminant des OP spéciales. Déposer de la moneda en achetant des objets exclusifs au marché noir. Le marché noir est ravitaillé toutes les semaines. Oui, en gros, le marché noir, c'est... ça te permet un petit peu d'avoir des améliorations Mais c'est vrai que c'est des trucs que tu trouves dans des coffres quand tu te balades, donc ça sert un peu à rien. Bref les gars, coucher de soleil magnifique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, parce que c'est quand même des vidéos très lourdes, hein, ce que je vous fais. Très lourdes dans le sens qu'elles sont longues et en qualité maximale. Donc vraiment, je compte sur vous. Un maximum de soutien, commentaire qui fait plaisir, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde.